Bonjour à tous, je m'appelle Elias, je viens d'être diplômé à l'école supérieure de sciences ambulanciers de Jeux. Je vais vous présenter du coup mon travail de diplôme qui traite de l'auscultation cardiaque en préhospitalier. Ça se passera ce jeudi 7 juillet aux alentours de 10h30 sur le site esambre.ch. Je vais vous présenter et je vous dis. Donc mon travail de diplôme qui va traiter de l'auscultation cardiaque en préhospitalier. Je vous montre le plan de la présentation, je ne vais pas vous le détailler parce qu'il est facile à lire, c'est à peu près la même chose que tout le monde. Et sans attendre, on commence. Donc j'ai décidé de faire ce travail de diplôme parce que l'auscultation c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis le début de la formation, à partir du moment où on a appris à ausculter les poumons. Et puis je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à ausculter le cœur et est-ce que ce serait intéressant. C'est une question qui est un peu restée en suspens pendant toutes mes études et puis finalement j'ai décidé d'en faire mon travail de diplôme. D'autant plus que le domaine préhospitalier c'est un milieu dans lequel on a très peu de moyens diagnostiques si ce n'est l'examen clinique, donc ça fait encore plus de sens pour moi. Je vais vous faire un rappel de la physiologie du cœur, tout simplement, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui produit les sons qu'on entend à l'auscultation. Vous vous rappelez donc que le cœur il est composé de 4 valves, 2 qu'on appelle des valves sigmoïdes et des valves et les deux autres des valves atrio-ventriculaires. Donc les valves sigmoïdes qui sont les valves aortiques et puis pulmonaires, et puis les valves atrio-ventriculaires qui sont les valves mitrales et tricuspides. Le bruit qu'on entend en fait quand on écoute un cœur, ce qui fait un peu boum boum, c'est la fermeture de ces valves. Et puis il est abrégé en 2 bruits, donc le bruit 1 et le bruit 2, donc on écrit B1, B2, et qui sont représentés comme sur ce graphique ici. Donc on voit que le premier bruit il se trouve à peu près en même moment que le QRS, si on prend un tracé électrocardiographique. Et puis le B2, lui, il est à peu près au moment de la repolarisation sur l'onde P. Ce qu'on entend entre le B1 et le B2, c'est la systole, et puis entre le B2 et le B1, c'est la diastole. Maintenant, pour la méthode d'auscultation, c'est un petit peu différent que l'auscultation pulmonaire, mais il y a quand même une systématique à avoir. Donc on a des points que j'ai placés là, enfin, qu'on voit sur l'image, qui correspondent à des zones dans lesquelles on va entendre plus fort une valve que les autres. On a la valve aortique, la valve pulmonaire, puis en bas la valve tricuspide et la valve mitrale. Entre deux, on a le point de Herbe qui, lui, est ce qu'on appellerait le point de... Enfin, en anglais, c'est maximal impulse point. C'est là où on peut sentir un pouls précordial, en fait. Et puis, on pourrait, dans certains cas, écouter cette partie-là aussi. Donc, pour faire une auscultation, on va écouter ces 4 plages. Et on va faire toujours dans le même sens. Donc, soit on commence par la valve aortique, puis on va par la pulmonaire, tricuspide et mitrale, soit dans l'autre sens, mais toujours faire une rotation. J'ai pris un stéthoscope ici pour vous montrer, parce qu'il y a 2 parties à un stéthoscope. Il y a ce qu'on appelle le diaphragme, qui est là, donc la partie où il y a un diaphragme, et puis l'autre partie s'appelle la cloche. Et en fait, lors de l'auscultation cardiaque, on va utiliser ces 2 parties. Donc on va commencer par écouter d'abord avec le diaphragme, et puis ensuite avec la cloche, en suivant la même systématique. Ces 2 parties, enfin ces 2 côtés différents, ils servent à ausculter pour le diaphragme plutôt les fréquences qui sont hautes, donc on va plutôt entendre des souffles ou des fréquences hautes, et puis avec la cloche ici, plutôt des fréquences qui sont basses, des bruits courts comme des bruits surajoutés, etc. Mais on verra un peu le détail après. Donc, on a vu que quand on écoute un cœur, ça fait B1, B2, donc boum boum, c'est l'auscultation physiologique. Maintenant, il est possible d'entendre aussi une auscultation qu'on appelle pathologique, avec plutôt des murmures. J'ai choisi de décrire l'approche des murmures, même s'il n'y a pas que des murmures qu'on peut entendre. Mais voilà, là on voit donc ici, sur le graphique, comment est schématisé les bruits. Et puis, lorsqu'on entend un murmure, il y a 5 questions principales à se poser pour le décrire, et puis du coup pour
pour comprendre d'où il vient et qu'est-ce qu'il est. La première, c'est le timing. C'est à quel moment il apparaît. Est-ce que c'est un murmure qui apparaît pendant la diastole ou pendant la systole? Sa durée. Est-ce qu'il apparaît en début de diastole, en fin de diastole ou en milieu de diastole? Auquel cas, on dirait télédiastolique, protodiastolique ou holosystolique. C'est des termes jolis pour dire ce que je viens de dire. Et puis, on va aussi décrire son intensité. Donc, son intensité, on utilise pour ça la gradation de Levin, qui est une gradation de 1 à 6. 1 étant un stéthoscope, un murmure qui est audible juste avec un stéthoscope, mais dans des conditions très calmes, réalisé par un expert. Et puis 6, un murmure qui serait audible sans stéthoscope, avec des vibrations carrément quand on palpe la région précordiale. On va décrire aussi son emplacement, plus précisément. Où est-ce qu'on entend le plus ce murmure? Est-ce qu'on l'entend plus dans la région aortique, par exemple, dans le cadre d'une sténose aortique, par exemple? Ou est-ce qu'on l'entend plus autre part? Et puis, est-ce que ce souffle, il irradie? Donc, est-ce qu'on va l'entendre dans les carotides? Est-ce qu'on va l'entendre dans d'autres foyers? Est-ce qu'on va l'entendre en sous-axillaire, etc.? Ça, c'est comme, c'est la systématique à avoir lorsqu'on entend un murmure à l'auscultation. Je vais vous parler maintenant de ma méthode, la méthode que j'ai utilisée pour mon travail de diplôme. Et puis, on va commencer par la question de recherche qui était: est-ce que l'auscultation cardiaque peut-elle être une aide décisionnelle à la prise en charge des patients avec une pathologie cardiovasculaire en préhospitalier? Pour répondre à cette question, j'ai choisi d'utiliser la méthode de Scoping Review, qui est donc en fait une revue de littérature non systématique. On verra plus tard quelle est la différence avec d'autres méthodes. Les critères de sélection, ils ont été très vastes. Au final, j'ai juste exclu la pédiatrie parce que c'était pas le thème de mon travail de diplôme, mais au final, j'ai pris tout ce que je trouvais parce qu'il y avait très peu de littérature sur le préhospitalier et l'auscultation cardiaque. Et puis finalement, toutes les recherches ont été menées par l'intermédiaire du moteur de recherche PubMed, et seulement celui-là. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est marquer en anglais ambulancier et auscultation cardiaque, chose qui n'a absolument rien donné, il n'y a pas de publication là-dessus, ou très peu. Donc j'ai décidé de choisir une autre stratégie de recherche, et puis j'ai lu les algorithmes CORFA, et j'ai isolé ceux dans lesquels je pensais que l'auscultation cardiaque pourrait avoir un avantage ou être utile. Donc j'ai choisi le protocole dyspnée, le protocole douleur thoracique, et puis le thème des malaises syncopes, étant donné qu'il n'est pas couvert par un algorithme qui reste intéressant pour notre pratique. Une fois que j'avais sélectionné ces algorithmes, j'ai choisi des pathologies qui pouvaient produire justement les symptômes auxquels... les symptômes, par exemple, la dyspnée pour la sténose aortique ou la douleur thoracique pour la péricardite. Et puis pour la syncope, c'était la syncope. J'ai donc préparé tous ces petits mots-clés et puis j'ai mené la recherche avec ça. Ça, c'est le processus que j'ai utilisé pour faire ma recherche. On voit que j'ai commencé par faire la recherche par mots-clés, que j'ai lu les études, que j'ai synthétisé, et puis après, avec la lecture des sources précédentes et des sources de mes sources à moi, j'ai pu recréer des nouveaux mots-clés et tourner en boucle jusqu'à être satisfait du résultat. Ce qui fait qu'au total, après 11 sessions de recherche, j'ai pu inclure 32 études, sachant que j'en ai lu quelque chose comme 700. Mais j'en ai choisi 32. Je vais vous parler maintenant des résultats que j'ai obtenus après cette revue de littérature, à commencer par la dissection aortique. Donc ce que j'ai trouvé, c'est que dans 44% des dissections aortiques de type Stanford A, qui est une classification des dissections aortiques que vous devriez connaître, je pense que ça viendra pour les premières années, on peut entendre un souffle de régurgitation aortique. Par contre, on peut entendre aussi d'autres souffles, voire pas du tout. Et puis le problème avec cette pathologie, c'est qu'elle a des présentations qui peuvent être très variées, très multiples. Et donc c'est difficile d'avoir quelque chose qui a une valeur diagnostique très forte pour ça. Les articles que j'ai pu lire disent qu'en présence de symptômes évocateurs plus un souffle, peu importe lequel, la suspicion diagnostique de dissection aortique doit être augmentée. Mais voilà, c'est pas assez significatif pour qu'on puisse en faire quelque chose dans notre pratique, donc je ne retiens pas ceci.
pour la péricardite, qui elle se trouve dans les diagnostics différentiels du syndrome coronarien aigu, il est possible d'entendre un souffle de frottement péricardique qui est décrit comme pathognomonique, ce qui veut dire qu'en fait, en sa présence, on peut affirmer qu'il y a une péricardite avec une certitude de 100%. Donc ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que ce frottement, il peut être transitoire, donc on pourrait ne pas l'entendre, et donc ne pas l'entendre ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péricardite. Mais, par contre, quand on l'entend, il a une très très bonne valeur diagnostique, et puis il est intéressant pour notre pratique, justement, dans l'évaluation d'une douleur thoracique et ses diagnostics différentiels. J'ai marqué 4P2 parce que c'est justement les diagnostics différentiels qu'on a dans l'algorithme douleur thoracique de Corfa. Dans la même lancée, du coup, la tamponade péricardique, qui est un petit peu la complication fréquente de la péricardite, j'ai trouvé que, en fait, avant de vous expliquer, il y a donc ce qu'on appelle la triade de Beck qui montre, il faut pour avoir la triade de Beck une diminution des bruits cardiaques, une distension des veines jugulaires et puis une hypotension. Et puis, donc, la diminution des bruits cardiaques a, selon une étude, une sensibilité de 28%, mais serait présente dans 86% des cas dans une autre étude. Et puis, par contre, la diminution des bruits cardiaques, elle peut être causée par plein d'autres choses, comme les BPCO ou les gens qui sont obèses, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses qui causent une diminution des bruits cardiaques. J'ai pas trouvé beaucoup de données, si ce n'est les deux que je vous ai citées au-dessus, qui sont contradictoires, donc j'en déduis que c'est pas significatif pour notre pratique et qu'on ne peut pas l'utiliser. Je me suis aussi posé la question pour l'infarctus, est-ce que l'auscultation pourrait aider à diagnostiquer un infarctus ? J'ai trouvé que non, impossible, il n'y a aucune valeur diagnostique des bruits cardiaques pour l'infarctus. Par contre, on pourrait détecter des complications comme une insuffisance cardiaque aiguë ou bien une rupture du septum interventriculaire, mais ça ne permet pas de détecter un infarctus, pas significatif non plus pour notre pratique. Pour la sténose aortique, à l'époque, dans les manuels, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait encore que les sténoses aortiques sévères et les dérivés nitrés, c'était contre-indiqué, pour des raisons assez complexes. Mais depuis, j'ai pu trouver quelques études un peu plus récentes qui montrent que ce serait plutôt sûr, mais qu'il faudrait faire preuve de prudence lors de l'administration des dérivés nitrés, justement, en présence de cette pathologie. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement d'être conscient que le patient présente cette pathologie avant de donner le dérivé nitré. Pour ça, il faudrait détecter le souffle de sténose aortique pour adapter le traitement. Mais là encore, généralement, les patients vont vous dire qu'ils ont une sténose aortique et puis au final, on voit que c'est plutôt sûr. Donc, pour moi, c'est pas non plus très significatif pour notre pratique. Pour le pneumomédiastin, qui est donc la présence d'air dans la cavité médiastinale dans laquelle il y a le cœur, il y a un signe qui a été décrit aussi il y a très longtemps qui s'appelle le signe de Hamann, qui est en français traduit comme crunch médiastinal, qui fait un bruit que vous pourrez écouter à la fin, qui serait présent, selon l'étude que j'ai trouvée, dans 12% des cas de pneumomédiastin, mais qui pourrait aussi être entendu lors de pneumothorax à gauche, étant donné de la proximité avec la cavité médiastinale. J'ai trouvé très peu de littérature sur ce signe-là. Et donc, au vu de la présence très faible de ce signe, et puis du peu de littérature que j'ai trouvé, je ne peux pas conclure que ça soit utile pour notre pratique. Ou en tout cas, que ça soit risqué d'utiliser. Pour l'insuffisance cardiaque, le troisième bruit cardiaque, donc le B3, qui est à la suite du B2, c'est pour ça qu'il s'appelle le B3, il a une très bonne valeur diagnostique, et ça c'est prouvé par plusieurs méta-analyses et puis plusieurs revues de littérature systématique. Et donc avec la présence du B3, on peut diagnostiquer l'insuffisance cardiaque. Cependant, il y a une grande variabilité inter-observateur, ce qui veut dire que dans plusieurs études qui ont été faites, des opérateurs qui auscultaient le même patient avec la même pathologie n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la présence ou pas du B3, chose qui serait partiellement expliquée par le fait que c'est un bruit de basse fréquence justement qu'on ausculte avec la cloche, et puis que l'oreille humaine a de la peine à détecter les basses fréquences.
mais on abordera ce point un petit peu plus tard. Pour finir avec la syncope, qui pour moi était un thème important parce que c'est quelque chose dans le, enfin, qu'on voit souvent, auquel on est souvent confronté en préhospitalier. La grande crainte toujours en présence d'une syncope, c'est que ça soit quelque chose de cardiaque lié à un trouble du rythme ou quoi que ce soit d'autre. Ce que j'ai trouvé lors de mes recherches, c'est qu'il y a beaucoup de souffles qui peuvent être entendus lors de syncope, pas forcément la cause de la syncope, mais que si on a des signes évocateurs de syncope cardiaque, plus la présence d'un souffle, ça fait monter la probabilité d'une étiologie cardiaque. Ce qui est intéressant pour nous en préhospitalier, je pense, c'est d'utiliser l'auscultation cardiaque pour les syncopes comme test dépistage, un peu, d'ausculter systématiquement les gens qui font une syncope, et puis de détecter ou non quelque chose. Après, peu importe, si on sait ce que c'est, tant que ça fait pas boum boum, c'est que c'est pas normal. Et donc ça permet aussi de le transmettre à l'hôpital et puis aussi d'orienter la prise en charge pour amener le patient au bon endroit. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des limitations de l'auscultation cardiaque dans le domaine préhospitalier et puis aussi des limitations de ma méthode et mon travail de diplôme. Et puis, on va faire en même temps la discussion. Donc, déjà, les premières limitations sont liées à l'environnement. Une auscultation cardiaque, c'est prévu pour être fait en hospitalier dans un domaine qui est très sécurisé, calme. Et puis le déroulement d'un examen standard, ça se ferait normalement avec un patient qui est assis, enfin qui est dans un lit demi-assis avec le buste relevé à 45 degrés, et puis potentiellement même des fois en décubitus latéral gauche pour l'auscultation de certains bouts. C'est pas toujours possible de faire ça en préhospitalier, et puis l'environnement n'est pas toujours calme, et on n'a pas toujours la possibilité de faire comme on ferait dans un hôpital. Deuxième problème, c'est les bruits parasites, que ce soit le bruit du moteur ou des sirènes. Il y a une étude qui a été faite justement sur des ambulanciers, pardon. Ils demandaient à des ambulanciers d'ausculter les bruits de quand on prend la tension artérielle dans une ambulance, soit qui ne roulait pas et qui était à l'arrêt complet, soit dans une ambulance qui roulait avec les sirènes. Et puis ils ont vu que le groupe qui auscultait avec le moteur et les sirènes avaient tendance à attribuer des tensions beaucoup plus basses que le groupe qui était à l'arrêt. Donc c'est pas directement en lien avec l'auscultation cardiaque, mais on pourrait imaginer le lien, justement le fait que l'auscultation serait beaucoup plus difficile avec le bruit. Pour revenir sur la variabilité interobservateur, justement, en 1987, donc ça date déjà, il y a une étude qui a montré que pour le B3, donc le troisième bruit cardiaque ou l'insuffisance, les opérateurs n'arrivaient pas à être sûrs ou non de sa présence. Et puis, on a deux autres études qui montrent des résultats similaires avec des sons de basse fréquence, rapides ou transitoires, comme les clics ou des choses comme ça, avec lesquels les opérateurs n'arrivaient non plus pas à se mettre d'accord. Ce qui est un peu intéressant, c'est que le niveau de formation des opérateurs, il était que partiellement mis en cause dans les différences de résultats. Et ce serait potentiellement lié justement aux limitations de l'oreille humaine. Et puis, tout le monde n'entend pas la même chose non plus. C'est pour ça que j'ai aussi fait des recherches sur le stéthoscope électronique, qui lui pourrait pallier un petit peu à tous ces biais, à savoir les limites de l'oreille humaine et puis les bruits accessoires autour. Le stéthoscope électronique, c'est assez récent, ça doit avoir une dizaine d'années, puis ça monte en puissance. La plupart des modèles, ils permettent d'amplifier, de réduire les bruits accessoires, d'enregistrer et puis de présenter les sons sous forme de phonocardiogramme, donc on puisse les visualiser. Donc les deux premiers points, amplifier et puis réduire les bruits accessoires, sont assez intéressants dans le milieu préhospitalier parce que justement il y a beaucoup de bruit et puis on n'a pas le même environnement. Et puis après, à des fins plus éducatives, on peut enregistrer et puis réécouter plus tard ou faire écouter à des élèves, ou bien visualiser les sons et puis les reconnaître aussi comme ça. Une étude de Fontaine, un médecin français en 2014, qui a montré que l'auscultation cardiaque était meilleure avec un stéthoscope électronique dans un environnement bruyant. Pour ce qui est de l'apprentissage, il y a la méthode traditionnelle qui consiste à faire ça à l'école en montrant les phonocardiogrammes ou en faisant écouter des bruits à répétition.
Il y a plusieurs méta-analyses qui montrent que la façon e-learning, elle est tout aussi efficace. Et puis que ça peut se faire à n'importe quel moment de façon répétée via un smartphone. Par exemple, il y a Litman qui a une application qui a été testée justement dans l'étude que j'ai citée ci-dessus, qui a plusieurs modules en fait, et puis qui permet d'écouter tout le temps. Et puis d'apprendre l'auscultation cardiaque via son téléphone. Voilà, ça ce serait une méthode tout aussi efficace que la méthode traditionnelle, donc c'est assez intéressant. Par rapport aux limitations de ma méthode, ça reste une scoping review, donc c'est pas une revue de littérature systématique. Et c'est pour ça que je la compare aux méta-analyses ou revues de littérature systématique qui, elles, prennent en compte toutes les études qui sont en rapport avec le domaine, qui sont généralement faites à plusieurs sur un laps de temps plus long, et puis dont les résultats sont plus hauts dans la pyramide de preuves. J'ai aussi trouvé très peu de publications sur le domaine préhospitalier. Ça s'explique soit parce que personne n'y a jamais pensé, soit parce qu'en fait ce serait pas utile en préhospitalier. C'est encore quelque chose qui reste un peu en suspens comme question. Et voilà. Au niveau des propositions de changement, moi ce que je propose c'est l'enseignement de l'auscultation normale, donc juste le B1 et le B2, et la reconnaissance des bruits physiologiques à l'école. Et puis après, via les entreprises, la mise en place justement d'un e-learning, comme discuté un petit peu avant. Mais avec seulement les notions et les modules nécessaires aux préhospitaliers. Et puis pour ça, je me base justement sur les résultats de ma revue de littérature, à savoir le B3, la péricardite et puis la syncope. En conclusion, la question que je me suis posée, c'est: est-ce que l'auscultation cardiaque peut-elle être une aide décisionnelle à la prise en charge des patients avec une pathologie cardiovasculaire en préhospitalier ? Il est difficile de répondre maintenant à la question avec mes recherches, mais en tout cas, ce que j'ai pu retenir, c'est que dans trois cas, l'auscultation peut orienter la prise en charge. La première, du coup, la péricardite avec le frottement, le souffle, le frottement péricardique. La deuxième, du coup, pour l'insuffisance cardiaque, et puis la dernière lors de syncope, et puis avec l'auscultation systématique des bruits du cœur pour se mettre sur la piste d'une syncope cardiaque ou non. Donc l'auscultation cardiaque, pour moi, c'est un outil en plus qu'on doit avoir dans notre boîte à outils pour nos prises en charge. Tout comme on a des tests diagnostiques pour des situations très particulières, et bien, je pense que c'est quelque chose à garder en tête et se dire, dans cette situation-là, dans cet environnement et dans ce contexte, je pense que c'est utile d'utiliser cet examen. Et puis, il est aussi utile du coup d'ausculter systématiquement, je pense, les bruits du cœur pour savoir déjà ce que c'est un bruit cardiaque normal, et puis quand on entend quelque chose de pathologique, de savoir que c'est en tout cas pas physiologique. Après, comme je décrivais tout à l'heure, il y a beaucoup de limitations, que ce soit lié à l'environnement, à l'exposition, à la pratique, et puis donc c'est pas quelque chose qui est... En fait, quand j'ai fait mon étude, je m'attendais peut-être un peu plus à des résultats, plus significatifs. Et je peux extraire que trois points où on est sûr que c'est valide et utile. J'arrive gentiment au bout. Je tiens à remercier du coup Laurent Yampen qui a été mon tuteur pendant ce travail de diplôme et puis qui m'a accompagné malgré plusieurs phases de doute et de changement. Ma maman qui a pu relire mon travail, Pierre Auberson qui m'a aidé à la décision pour me lancer sur ce sujet, et toute la volée 2019 et 2022 pour ces trois super années. Ce que je vous ai mis maintenant, c'est un petit code QR que vous pouvez scanner là maintenant, et puis dans lequel vous trouverez trois vidéos qui montrent les bruits dont on a discuté avant. Puis ça vous permet du coup de les entendre et de savoir un peu de quoi je parle.
J'attends encore 10 secondes et puis après je vais passer à la diapositive suivante. Voilà, la bibliographie, elle est trop petite pour être lue là maintenant. Si quelqu'un est intéressé, il peut venir me voir et puis je transmettrai tout ce dont il a besoin. Voilà, j'ai terminé. C'est une bonne question, je dois répéter la question. Est-ce que l'auscultation cardiaque elle est utilisée ailleurs dans le monde, dans le milieu préhospitalier? J'ai pas pu faire des recherches dans le monde entier, mais en tout cas, l'auscultation cardiaque elle est utilisée en Angleterre par les paramédics, qui ont une formation un petit peu similaire à la nôtre, hormis qu'ils sont dans la plupart des écoles formées à l'auscultation cardiaque. Après, il y a une étude que j'ai pu lire, que j'ai mis dans mon travail de diplôme, qui montre qu'il y a, enfin, malgré la formation, très peu de gens qui l'utilisent quand même sur le terrain. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Après, les autres, n'est-ce pas? Je sais qu'aux États-Unis aussi, ça se fait. J'ai pu lire 2-3 articles, mais voilà. Est-ce que toi, personnellement, dans le cadre de tes stages ou travail, tu as pu essayer de sculpter le cœur sur tes patients? Alors du coup, la question c'est, est-ce que moi, dans mes stages ou dans mon travail, j'ai pu essayer d'ausculter le cœur des patients? Oui. Oui, puis c'était assez intéressant parce que du coup, lors de la rédaction de mon cadre de référence, j'ai un peu appris les bases de l'auscultation. Et donc, du coup, j'ai voulu le mettre en pratique pour voir aussi, tester moi-même à quel point c'était réalisable. Et puis, donc oui, je l'utilise dans ma pratique. Chose ? D'ailleurs, tu as partagé sur le chat quelque chose. Hein? Ah, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Je n'y ai pas vraiment, mais ça ne marche pas. Là, on fait plus une réflexion sur son postulat, sur l'utilité de la population de l'information qui partage une étude qui répond aux mots-clés paramédiques et cardiaco-auscultation. C'est la première qui sort dans Google. Ils utilisent un stéthoscope électronique pour améliorer la formation des ambulanciers enfin, des étudiants. Ambulancier, je passe la connaissance de dispositifs, pas pour parler d'auscultation électronique. Donc, ta question c'est du coup. C'est pas une question pour l'instant. Ah. Déjà, tu avais connaissance de cette étude. Alors. Ma question c'est plutôt comment est-ce que tu verrais mettre ça dans la formation sur le modèle que tu connais ici? Alors, du coup, comment est-ce que je mettrais ça, comment je mettrais ça dans la formation sur le modèle exemple qu'on connaît ici? Pour moi, ce serait quelque chose qui se ferait plutôt par le biais d'une application ou quelque chose de type e-learning. Et puis, dans ce que je propose pour mettre à l'école, ce serait plutôt l'auscultation physiologique, à savoir B1, B2. Donc, c'est soit réalisable par le biais d'un e-learning où on écoute en boucle le B1 et le B2 avec l'apport théorique qui va avec, qui au final est assez rapide, soit par le biais de l'auscultation chez les uns et chez les autres, vu que normalement on a tous un cœur qui fait B1, B2. Est-ce que tu as une estimation de la courbe d'apprentissage et la première auscultation cardiaque qui sont nécessaires pour avoir un degré de performance suffisant pour gagner tous les éléments qui mentionnent? Alors la question c'est, est-ce que j'ai une idée de la courbe d'apprentissage et de combien de temps, combien d'auscultations on peut être performant pour cet examen? Et non, j'ai pas la réponse à cette question, je n'ai pas de données par rapport à ça. Merci. De rien. Rien d'autre? Très bien, merci beaucoup.